Même après 13 heures d'un travail difficile, cette couturière ne touche pas un salaire suffisant pour couvrir ses besoins de base. La nourriture, le loyer, les médicaments, l'argent gagné ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Pour 30 millions d'ouvrières et ouvriers de l'industrie textile, les salaires de misère et les innombrables heures supplémentaires font partie du quotidien. On parle de salaire de misère parce qu'en Asie, s'il est payé, le salaire minimum fixé par la loi ne couvre que 20 à 60% des besoins de base. Et les conséquences sont désastreuses. Malnutrition, peu ou pas d'argent pour l'éducation et les soins médicaux, pas de temps pour s'occuper des enfants. Qui est responsable ? Les pays producteurs comme le Bangladesh, la Chine et l'Inde se livrent un combat acharné pour décrocher les contrats de l'industrie textile. C'est pourquoi les gouvernements fixent le salaire minimum en dessous du salaire de subsistance. Les vêtements sont fabriqués là où les coûts de production sont les plus faibles. Et pendant que l'industrie textile profite des salaires minimums et voit ses bénéfices augmenter, des millions de couturières vivent toujours dans des conditions inhumaines. Une petite somme ferait déjà une grande différence. 10 centimes de salaire en plus par t-shirt permettraient aux couturières de vivre dignement plutôt que dans la pauvreté. Pourtant, 99% des entreprises textiles ne sont pas prêtes à payer un salaire de subsistance. Nous demandons 10 centimes pour une existence digne, un salaire de subsistance pour tous. Engage-toi avec nous. Envoie une vidéo de protestation avec ton message personnel aux entreprises. Choisis d'abord la marque, écris ton message et envoie-le en ton nom. Parce que ta voix compte. Merci de ton soutien.